Pour le cadeau numéro 4, il m'a mis « Je vais t'envoyer au 7e ciel. Tu pues de la bouche. » Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est vraiment une vidéo, ça me fait trop plaisir de la faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un swap de Noël. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est un échange de cadeaux entre personnes. Et là c'est avec mon petit cœur Mathis, donc en couple ça me fait trop plaisir de faire ça avec lui. Genre vraiment ça fait trop longtemps qu'on prépare ça. En gros on s'est donné chacun un budget et on a une wishlist on va dire, ou je sais pas comment on appelle ça, en mode avec des numéros et des petites phrases qui correspondent au cadeau. C'est trop chou, c'est trop mignon, j'ai vraiment trop hâte. Et regardez comment il a présenté ça. Bon je vous le dis directement, en gros c'est sa mère qui nous a aidé pour faire les cartes, les emballages et tout. Du coup regardez comment c'est trop beau, avec un petit ballon love. Et regardez tous les cadeaux. Et là en fait c'est le menu, donc en gros c'est avec les petites phrases et tout pour deviner les cadeaux. C'est trop cool. Regardez tout ce qu'il y a. Et en plus il m'a mis plein de trucs à manger. Il est trop chou. Regardez, il y a des petits Kinder. Oh, ceux-là ils coûtent une blinde, mais ils sont tellement bons. Ensuite il m'a acheté des petits chocolat. C'est vraiment mon chocolat préféré, il me connaît trop. Et regardez aussi des petits M&M's et une petite pomme d'amour. C'est trop chou. Regardez. En plus maintenant je peux en manger parce qu'avant j'avais des bagues. Mais ça va vraiment être trop bon. Oh my god, je suis trop content, il est trop chou. Mais du coup, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que je réponds à tout le monde. Et aussi à activer la petite cloche de notification. Vraiment, ça me ferait trop plaisir que vous la likiez, que vous regardez jusqu'à la fin, etc. Parce que c'est vraiment un budget, c'est du temps, etc. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis muni de mon petit menu. Vous savez pas à quel point je suis stressée et j'ai trop hâte en même temps. Du coup, il m'a mis swap with buy avec un petit cœur et tout. Donc le tout premier cadeau, c'est tu dois le mettre tout au long de la vidéo, je t'aime. Ça peut être quoi? En plus là, c'est le moment où il faut chercher dans le petit carton le numéro 1. Vraiment, j'ai trop hâte. Oh là là, comment c'est dur à trouver. Ouais, tu vas voir, c'est très compliqué. Ah, il y avait encore un petit ballon avec marqué Joyeux Noël, love. Trop chou. Ah, c'est ça. C'est bon, je l'ai trouvé. Donc ça, je dois le mettre tout au long de la vidéo, il m'a dit. Ah, oh, il est trop chou, regardez. Il y en a deux en plus. Trois? Pourquoi il y a trois bonnets de Noël? Bon, je vais pas mettre les trois, je vais en mettre un. Mais en tout cas, ça fait très Christmas, très Noël. Regardez, en plus avec le petit décor. Il est tout petit. Il y a peut-être plusieurs tailles, je vais regarder. Ah oui, celui-là, il me va mieux. Bon, j'ai un petit peu une tête bizarre avec ça. Mais on va jouer le jeu et on va le garder tout le long de la vidéo. En tout cas, c'est trop chou. Ok, donc là, c'est bon. On va passer au deuxième cadeau. Tu pues de la bouche. Tu pues de la bouche, il m'a sorti. Je l'ai déjà trouvé, le numéro 2. Tu pues de la bouche. Pourquoi c'est aussi grand? Qui est-ce qu'il a pu m'acheter? J'ai une petite idée, on va voir si c'est ça. Oh, j'en étais sûr que c'était ça et je vous jure que c'était mon rêve d'en avoir une. Parce que lui, il a celle-là, mais moi, je suis à côté avec ma manuelle. Oh, je suis vraiment trop content. C'est trop chou. En plus, c'est une Oral B et tout. Oh, je suis trop content, vraiment. Ça va être trop cool quand on va se brosser les dents à deux et tout. Oh, je suis trop content. Bon, il m'a un petit peu clashé, mais c'est vraiment un trop beau cadeau et je suis super content. Du coup, pour l'instant, c'est un sans faute. On va passer au prochain qui est le numéro 3 parce que t'es mon baby shark. Ok. Donc, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est le surnom qu'on se donne tous les deux. Me demandez pas d'où ça vient, mais c'est la petite musique baby shark tutu. Du coup, voilà. Et ça veut dire du coup bébé requin en anglais pour ceux qui savent pas. Ah, c'est le grand aussi, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça peut être dedans? Du coup, c'est parti. Je n'ai aucune idée. Je sais vraiment pas ce que ça peut être. Et en plus de ça, je voulais vous dire, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas déballé des vrais cadeaux comme ça. Du coup, ça me fait hyper plaisir. Oh, c'est trop chou. Regardez. Ah, mais c'est des pantoufles. Ah, c'est trop chou. Je pensais que c'était des peluches, mais regardez, c'est des pantoufles. Je suis trop content. Attendez, je vais les essayer. Je vais vous montrer ce que ça rend. Regardez. Attends, on voit pas. C'est trop chou. Genre, c'est le requin, il mange mon pied. Genre, mais vraiment, j'avais trop envie d'avoir des petites pantoufles comme ça pour se sentir bien en hiver. Vraiment, je suis trop content. Et j'aurais jamais pensé à ça. Genre, vraiment, il est trop fort pour ça. Pour le cadeau numéro 4, il m'a mis « Je vais t'envoyer au 7e ciel ». C'est une blague, Mathis, là, tu joues à quoi? Je vais t'envoyer au 7e ciel, il m'a sorti. Voici l'emballage du numéro 4. À votre avis, c'est quoi? Juste avant, ouais, toi, tu penses quoi? Toi, tu penses que c'est quoi? Je sais pas du tout ce que ça peut être, vraiment. C'est ton rêve.
Regardez, il m'a acheté une Wonder Box où je peux choisir ce que je peux faire. C'est trop mignon, genre vraiment. Je peux genre faire du pilotage de Ferrari, un vol, une excursion en voilier et tout. Genre c'est vraiment trop bien comme idée de cadeau. Je suis choquée, c'est valable pendant 3 ans. Du coup on va attendre que le corona il se termine et je vais foncer faire un truc. Vraiment c'est une idée trop cool et elle est vraiment trop chou. Genre je sais pas comment il a pensé mais vraiment c'est l'un des meilleurs cadeaux. Genre vraiment je suis trop content. Ah oui, du coup je viens de comprendre la blague du 7ème ciel parce que dedans il y a des trucs en parachute, genre des trucs dans les airs et tout. Je viens de comprendre, bien trouvé. Bon du coup j'ai recadré un petit peu le téléphone et c'est parti pour le cadeau numéro 5. Il m'a marqué les licornes existent baby. Ah bon, ça existe vraiment? On va voir tout ça. Le numéro 5 c'est le plus gros cadeau qu'il y a dedans. Regardez, je pense que c'est un genre de vêtement ou quoi. On va voir ce que ça peut être. Je savais que ça allait être un truc comme ça. Regardez ce qu'il m'a acheté. Il m'a acheté un genre de plaid en forme de licorne qu'on met sur la tête comme ça et après hop on peut se blottir dedans. C'est trop chou, vraiment genre pour l'hiver et tout, pour que ça tienne chaud. Par contre, pourquoi il m'a acheté en rose comme ça? Une explication? Parce que t'es ma femme. Waouh. C'est bien de dire ça, non mais lui... Mais en tout cas, ça va trop me faire plaisir et je vais l'utiliser tout le temps. Genre, c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser H24, surtout en hiver. Du coup, sixième, là c'est encore plus étrange. Il m'a mis, imagine t'as un jumeau, oh my god. Dites-moi en commentaire des fois si vous trouvez, même si normalement c'est des trucs personnels, mais là je vois pas du tout. C'est ça. Ah oui, regardez, il a mis un 4 et après il a barré, il a mis un petit cœur. C'est vraiment tout Matisse ça. Oh, c'est trop chou. Regardez, il m'a acheté un truc M&M's avec plein de petits chocolats, je pense, dedans. Et c'est en forme de sapin, c'est trop chou. Par contre, j'ai pas compris pourquoi c'est avec un jumeau. Bah parce que regarde, il a plein de jumeaux. En fait, t'es de partout. Ah, j'avais pas vu, mais c'est ma tête sur les bonbons. Mais oui. Regardez, c'est une photo de moi de partout. Par contre, je pense que ça va être trop bon et je vais me régaler vraiment le soir. Je vais m'engloutir de moi. En fait, je vais manger genre... Trop content pour ce cadeau aussi, vraiment sans faute pour l'instant. Le numéro 7, je veux que tu sois un e-boy, mon e-boy. Il veut que je devienne un e-boy. Je vous mets une photo de ce que c'est un e-boy. Hein. Donc avec ça, normalement, je dois ressembler à ça. On va voir. Quand je vois le truc se vider, ça me fait trop mal au cœur. Numéro 7, là, avec ça, je vais ressembler vraiment à un e-boy. On va voir. C'est parti. Ah, c'est caché pour l'instant, donc je sais toujours pas ce que c'est dans un petit truc comme ça, trop chou. On va voir. C'est quoi? C'est des fausses boucles d'oreilles. Ouais, c'est des fausses boucles d'oreilles. Il m'a acheté des fausses boucles d'oreilles. C'était mon rêve d'en avoir. Il y en a plein. Du coup, tu peux choisir si tu veux des grandes ou non. Regardez, il y a plein de petites tailles de boucles d'oreilles, genre. Et on n'a pas besoin d'avoir un trou. Je pense que c'est des trucs à aimant. Oui, genre t'as pas les oreilles percées, c'est pour ça que je t'ai pris ça. Ok. Ça, vraiment, ça peut compléter une tenue. Et j'avais vraiment envie d'avoir un truc comme ça. On va voir si ça marche. Ah ouais, ça marche. En vrai, ça donne un style, non? Bah pas avec le bonnet de Noël. Oui, mais oui, mais vous avez capté avec une tenue adéquate. Mais ouais, là, ça fait vraiment e-boy. Tu l'as pas mis bien, je crois. C'est vrai? Ouais. Bon, on verra plus tard. Mais en tout cas, je vous dirai si ça marche et tout. En tout cas, je suis trop content, genre vraiment. Petit 8, cette pomme ne se mange pas, hein. Genre parce que vous avez vu, il m'a donné une pomme d'amour. Je pense que c'est ça, la petite blague. On va voir, du coup, c'est le numéro 8. Donc c'est censé être une pomme, du coup, je sais pas. Le voici. Attendez. Cette pomme ne se mange pas. J'ai une petite idée. Dites-moi si vous avez compris dans les commentaires. On va voir du coup ce que c'est. Oh, si c'est vraiment ce que je pense, je serais vraiment choquée. Genre. Oh my god, il m'a acheté des AirPods et en plus les AirPods Pro. Je suis trop content. Je suis choquée, je pensais vraiment pas qu'il allait m'acheter ça. Après que j'ai acheté les AirPods à Matisse, en fait j'ai perdu les miens et regardez ce qu'il m'a acheté. Oh, je suis vraiment trop content. Là, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Hein. Je suis super content. Ah non mais là vraiment je vous jure que je suis hyper content, je suis le plus heureux du monde genre vraiment. C'était mon rêve d'avoir ça mais je voulais pas me les offrir parce que ça coûte quand même cher. Ensuite avec le numéro 9 il m'a marqué tu vas devenir riche wesh. Ça veut dire que c'est un truc où je peux gagner de l'argent. Le numéro 9 c'est ça, j'en ai aucune idée non plus de ce que ça peut être. Mais on va voir. Ah ok, je viens de comprendre du coup. C'est un truc de chez Sephora et en gros c'est marqué The Golden. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a la mine, tu vas devenir riche. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça? Enfin, c'est un petit peu pour ça. Bon, je viens pour expliquer. En gros, c'est tellement t'es riche, bah, tu peux te mettre de l'or sur la tête. Genre, ah. Regarde, il y a un masque or sur la tête, sur les yeux et sur la bouche.
Ah ok, c'est bon, bah du coup j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, ok. C'est vrai que purée, c'est dur à comprendre. Bon, on va enlever un petit peu derrière parce que ça va être trop encombré. Faites comme si j'étais pas là. Le numéro 10, c'est je t'en ai pas laissé la dernière fois, oups. De quoi il me parle? Ça se présente comme ça. J'essaie de réfléchir à quoi il parle. Il me laisse jamais rien, déjà quand c'est les bonbons et tout, quand c'est les gâteaux, donc bon. Ah oui, ok, j'ai compris. C'est un truc avec plein de risis, genre des trucs trop bons. Et en fait, la fois dernière, la mère de Mathis nous en avait acheté. Et il a tout mangé, il m'a rien laissé. Du coup là, c'est le moment que je vais tout manger et je suis hyper content. Je vous jure, les trucs sont trop bons dedans. Non bébé, c'est pas ça. Ouvre la boîte, c'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Ah, c'est pas du tout la même chose? Mais non, en fait la boîte elle se présente comme ça, mais c'est juste la marque qui est comme ça. Ah ok, bon bah j'ai dit n'importe quoi en fait. Ah ok, c'est que des Reese's. Oh, mais ça c'est vraiment mes trucs préférés, mes chocolats préférés. Et ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, ils m'en laissent jamais. Je suis trop content, genre vraiment, plus il y a plein de sortes et tout, j'ai trop hâte de goûter. Mais wesh, tout ce qu'il y a, je savais pas du tout quand j'ai vu. Du coup, c'est parti pour le numéro 11. Ça y est, on arrive à la fin déjà. Je suis trop déçu. Mais genre, en mode, c'est... Il n'y a plus qu'à spill the tea avec moi. Bon, déjà, mon accent anglais, c'est vraiment pas ça. Et spill the tea, ça veut dire quoi? Je viens tout le temps parce que décidément, spill the tea en mode... boire le thé, quoi. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Cette expression, c'est en mode, tu sais, quand on regarde des dramas ou des trucs comme ça, genre tu... Ah oui, ok, donc c'est ce truc. J'ai déjà une petite idée. Oh, c'est trop chou, regardez, il m'a pris un mug avec une photo de nous. C'est trop mignon, genre quand je vais boire un petit chocolat ou quoi, regardez, c'est trop chou. En plus, il a mis spill the tea, genre trop cool. En plus, la qualité, elle est vraiment ouf, genre c'est trop beau, je suis hyper content. Ok, donc là, c'est le numéro 12. Mets-toi à jour, tu l'as toujours pas. De quoi il me parle? Qu'est-ce que j'ai toujours pas? C'est ça? Ah! Regardez, il m'a acheté le débardeur en mode que tout le monde a. Je rêvais de l'avoir aussi, regardez la couleur, il est magnifique. Vraiment, merci beaucoup à lui. Et je vous jure que je vais faire une bête de tenir avec ça, genre vraiment. Petit 13, donc c'est marqué, j'ai enfin cédé à ton caprice. Mais je fais jamais de caprice, par contre ça c'est lui, hein. Je vois pas pourquoi il dit ça. Il fait toujours des caprices, et moi j'en fais jamais. Bon, on va voir ce que c'est. C'est ce petit truc comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Attendez, là, il y a encore quelque chose. Oh je vous jure que là, c'est l'un des meilleurs cadeaux du soir. Vous allez peut-être pas comprendre, mais en fait, ça fait, je sais pas, genre 3 mois qu'il m'a lancé sur League of Legends, le jeu. Et en gros, à chaque fois, je voulais m'acheter un skin et tout, et il m'a acheté une carte cadeau sur le jeu. Je suis trop content. Vraiment, je vous jure, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Hein. C'est vraiment des trucs que je pensais vraiment jamais acheter de ma vie. Et vraiment, ce swap, il est trop bien pour ça. Le petit numéro 14, donc l'avant-dernier déjà, c'est marqué « Unis pour la vie ». Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut nous unir pour la vie? C'est ce petit truc-là. Encore un truc que je dois déballer. À chaque fois, j'ai trop de surprises là. Trop d'émotions, c'est trop. Donc là, on ouvre la petite pochette. Oh, c'est trop chou. Regardez, c'est des colliers genre en commun. On porte chacun un truc, c'est trop mignon. Vraiment. Ying et Yang, bébé. Ah oui, c'est le Ying et Yang, genre en mode les trucs de couple, vous avez capté. C'est trop chou. Juste après la vidéo, je vais le mettre, c'est sûr et certain. Et je suis trop content, ce cadeau, c'est trop mignon. Du coup, je reviens pour dire, bah, tu préfères lequel? Je crois que de base, le blanc, ça a une signification et le noir aussi, mais vu qu'on connaît pas... Moi, je préfère le noir. Bah, moi, je vais prendre le blanc, du coup. Voilà, trop chou. Merci beaucoup, mon cœur. Trop content. Et du coup, c'est déjà le tout dernier cadeau, malheureusement. Et c'est marqué... Pour finir, t'es plutôt de quelle humeur actuellement? Bah là, en ce moment, je suis vraiment trop content, trop excité et tout. Genre vraiment, le swap m'a fait trop plaisir, tous les cadeaux. Du coup, on va voir. Ah oui, et regardez l'emballage numéro 15. Il est trop beau. C'est un genre de petit bonbon. Donc, il y a deux petits ficelles comme ça sur les côtés. On va voir ce que c'est. Ah, c'est la petite pieuvre que je voulais trop avoir. Je savais que c'était ça. C'est trop mignon, regardez, c'est des petites pieuvres que tout le monde parle, genre en mode quand t'es content et quand t'es pas content. Bah du coup, moi, pour l'instant, je vais la garder bien comme ça parce que je suis super content. Et en tout cas, je suis vraiment super content de tous les cadeaux qu'il m'a fait, c'est trop chou.
je l'aime de tout mon cœur. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, malheureusement. Mais vraiment, tout m'a fait plaisir. Je vous jure qu'il n'y a pas un truc que j'aime pas. Il a vraiment pensé à tout et c'est trop mignon. Du coup, voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, mon petit cœur a également posté sa vidéo où il y a les cadeaux que je lui ai offerts. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Sa chaîne, c'est Matisse. Je vous mets tout en barre d'infos, mais vraiment, allez nous soutenir et allez voir sa vidéo, ça lui ferait hyper plaisir. Et j'ai plein de cadeaux super bien que je lui ai offert. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, parce que vraiment, c'est l'investissement de ouf cette vidéo. Ça serait vraiment une super récompense. N'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, donc Instagram, Snapchat et TikTok du coup. Et en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Et viens ici pour la petite fin. Je voulais le remercier de tout mon cœur. Et on vous fait plein de gros bisous. Et à dimanche prochain. Gros bisous, à dimanche à midi. Mouah.